heure, 1h50. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas y arriver? J'ai flashé en fait sur cet artiste. J'ai dit wow. Je pensais même pas que j'avais une belle voix. Je pensais que tout le monde chantait comme moi, tu vois. On faisait des concerts dans notre chambre. On s'amusait à prendre des déodorants en tant que micro. Et on s'imaginait à la Cigale ou à l'Olympia. Déjà, je sais pas. Il fallait juste venir en fait et casser le truc du rap. Venir avec sa petite voix, sa petite dégaine de meuf décevrant. Et puis voilà. Là, j'ai une boule au ventre incroyable. Et même, c'est quelqu'un qui a un très gros poids sur les épaules. Il y a des doutes. J'ai beaucoup. Pleurer, tu te mets en dépression, tu supprimes toutes tes photos, tu vas plus du tout sur les réseaux. On est des cibles trop faciles en fait à atteindre. Sauf que justement, maintenant, faut plus se laisser faire. Ce qui me plaît chez Imen, c'est sa spontanéité, son attitude, son sourire. Je suis quelqu'un. Je me serais jamais dit en fait, je veux être connue, je kiffe la vie. Elle va être une superstar, j'ai aucun doute sur ça, tu vois. Demain, pour qu'elle aille faire un feat avec Drake. Faut qu'elle aille faire un feat avec Alicia Keys. Au début, on te demande de faire tes preuves. Laisse la petite faire. En fait, aujourd'hui, la petite, elle a fait. Elle n'est pas encore arrivée là où elle doit être. C'est que le début.